Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec M. Mounir Ebingi Georges, il est acteur politique au sein du parti SID, Engagement Citoyen pour le développement, parti cher à Martin Fayoulou Madidi, à la fédération de Goma Nord Kivu, c'est comme ça. Monsieur Georges Mounir Ebingi, aujourd'hui nous sommes à 2 jours du début de la campagne proprement dite en RDC. Comment vous trouvez l'engouement? Comment vous êtes en train de trouver la situation? Bien, pour nous qui sommes à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes dans une situation où nous observons le déplacement massif de la population, nous observons les enterrements de nos compatriotes, notamment à Kitanga vers Beni, oui. Et nous observons aussi la terreur dans la ville de Goma parce que l'ennemi est à la porte. Et avec ça, on ne sait pas passer élection. Avec ça, nous pensons comment retourner nos compatriotes dans leur milieu naturel, comment penser à faire enrôler aussi nos compatriotes de Massis et de Rutshuru. Et avec cet allure, nous ne savons pas comment aussi contribuer ou bien observer positivement l'engouement électoral ou bien l'approche aux campagnes électorales. Pour nous, vraiment, nous disons que il n'y a pas besoin d'être très très actif pour des campagnes électorales alors que nous devons passer à autre chose que ça. Donc vous êtes parmi ceux qui pensent que les élections ne sont pas opportunes à RDC. Il faut premièrement finir la guerre et penser à l'élection après. Est-ce que vous pensez, je vous pose aussi la question que je pose à mes compatriotes qui nous suivent à pareil moment, cette question. Pensez-vous que quelqu'un de Goma peut faire toute une journée ou bien une demi-journée devant le bureau ou bien le site de la CENI en train de vouloir voter alors que l'ennemi est à la porte et les bombes éclatent par-ci, par-là, alors que son frère meurt défunt dans le cas de déplacer et tenir toute la journée pour aller voter, quelqu'un qui, après le vote, va encore signer des accords pour engloutir le pays, quelqu'un qui va peut-être s'enrichir et ça penser aussi aux promesses qu'il a données à la population. Et je ne vois pas ces citoyens dignes du Nord Kivu aller s'aligner et dire qu'il va voter pour l'alternance, pour la paix. Il n'y a pas de vote pour la paix ici. Nous ne pensons pas que ces votes ou bien ces élections vont contribuer même à la paix. Par contre, ce que nous avons crié avoir échappé en 2018 et risque de se reproduire. Parce qu'on a dit que le pseudo-passation pacifique de pouvoir serait une solution pour éviter le bain de sang. On ne le souhaite pas, mais les élections telles qu'elles se présentent risquent de nous plonger dans cette situation. Et là, prions Dieu pour que ça ne puisse pas arriver. Mais dès l'entame de ce processus électoral, il y a le président, votre président Martin Fayoulou, qui avait décrié et qui demandait toujours et toujours l'édit du fichier électoral. Et cela lui a amené à ne pas présenter ses candidats à tous les niveaux, à la députation nationale, provinciale et au municipal. Mais malheureusement ou curieusement, celui que l'on voit se présenter comme candidat président de la République, est-ce que cela n'est pas le fait de faire quelque chose de son contre? Vous savez, il y a une sagesse africaine qui dit que lorsque les sages désignent la ligne, les cancres observent le doigt de ces sages et les critiques. Fayoulou était en train de voir un processus électoral chaotique, un processus qui exclut une partie du territoire national, un processus qui consacre la balkanisation de la République. Et il a crié partout et on l'a désigné, on l'a jugé d'un fou.
Mais nous sommes en face d'un fait accompli. On exclut les territoires de Massissi et de Routchour alors qu'on parle des élections nationales. De quelle nation faisons-nous allusion? Mais Corneille Nangaa l'avait fait également en 2018. Avec, permettez-moi, chers compatriotes. Avec le territoire de on ne peut imiter que les bonnes choses. Est-ce que c'était normal? Et Denis Kadima d'ailleurs, oui, il a dit que... Ça, ce n'est pas une question de jurisprudence dans le sens où cette partie est occupée par un pays étranger. À cette époque, oui, on peut dire qu'il y avait une rébellion des ADF Nalu, mais la plus grande partie, ou bien les raisons qu'on a poussées, ce n'était pas des raisons de la sécurité, plutôt c'était des raisons sanitaires. Ebola. Et aujourd'hui, nous savons que nous ne savons pas quel drapeau flotte à Bounagana. Quel est le registre qui enregistre les enfants qui sont en train de naître à Bounagana? Quelle est la monnaie qui circule à Bounagana? Quelle armée? Quelle souveraineté? Et nous avons appris ici récemment que l'Ouganda a déplacé des bornes du bord vers l'intérieur de la République démocratique du Congo jusqu'à à peu près 20 km. Voyez-vous? Et donc, pour participer à des élections, il faut que ces élections soient purement nationales. Et Massissi, Routchouru, Kwamout, font partie de la partie intégrante de la République démocratique du Congo. Ce qui fait assez qu'on parle du Congo uni, Congo fort, Congo prospère, Congo de Lumumba, Congo de nos aïeux. Tenez, nos aïeux ne savaient ni lire, ni écrire. Ils étaient tabassés matin, midi et soir jusqu'à perdre même des parties de leur corps. D'autres ont été déportés. Ne sachant pas même la valeur des diamants ni de l'or, ils n'ont pas cédé même un centimètre de notre pays. Mais nous, qui avons déjà étudié, qui connaissons toutes choses, la valeur des diamants, la géographie, l'histoire, nous ne sommes pas en train d'être tabassés, nous ne sommes pas sous drogue, moins encore sous anesthésie. Nous voulons cautionner la balkanisation de notre pays, la cession d'une grande partie de notre pays, parce que nous voulons seulement être élus, nous voulons seulement avoir des postes au sein du gouvernement pour nous permettre aussi de nous enrichir, alors que nous connaissons l'histoire sombre du pays voisin. Le Rwanda avait le gouvernement bien installé. Il avait la présidence. Il avait toutes les institutions du Rwanda étaient là en 1994. Mais parce qu'il s'agissait d'une guerre d'occupation, voyez-vous, le peuple rwandais déversé sous la complicité ou bien le complot de la communauté internationale souffre encore dans nos montagnes ici. Et c'est l'origine même de cette guerre nous imposée par les fameux M23. Et donc, il s'agit d'une guerre d'occupation et que nous ne devons pas accepter que ça nous soit imposé. Nous devons passer à la libération de nos terres, à la libération de notre province, à l'intégrité territoriale pour passer aussi aux élections. J'ajoute une chose avant de finir ce point du processus électoral. Les élections pour les ambitieux que nous sommes tous, parce que nous avons aussi besoin d'avoir un mandat du peuple. Mais un mandat doit être un cadeau d'une lutte que nous avons menée en faveur de notre pays. Un mandat n'est pas une marchandise pour venir avoir de l'argent et donner aux électeurs, mobiliser les électeurs à notre cause, faire des yeux doux à la population pour être élu. Non, nous devons mériter ces mandats-là. Et dès lors que nous pensons à autre chose pour venir s'enrichir au dos de la population, là, ce n'est pas un mandat. Monsieur Georges, vous étiez aussi en ville de Goma. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, vous aviez été incarcéré dans la prison centrale de Mounzenze pour réclamer les élections en 2016, puis 2018. Vous pouvez faire une petite comparaison entre le processus électoral de 2018 et celui de ces 2023?
Bien, le processus électoral de 2018, comme c'est aussi le fruit d'un grand combat, nous avons combattu, je fais 279 jours dans la prison centrale de Goma, Mounzenze, pour avoir dit seulement que notre compatriote Kabila devrait plier bagage parce qu'il était fin mandat. On n'avait plus besoin de lui voir gagner un troisième mandat ou bien concourir pour un troisième mandat. Et là, parce que la vérité est têtue et elle fait mal à ceux-là qui veulent diriger dans les mensonges, nous avons été arrêtés et nous avons fait illégalement 270 jours dans la prison centrale de Goma. Et donc, les résultats de cet emprisonnement nous a amené des élections. Bien sûr, les élections n'ont pas été contestées. Les élections n'ont pas été contestées de 2018. Plutôt, c'est le résultat qui a été volé. Parce que s'il s'agissait de témoins, il y en avait des témoins. Il y en avait aussi des observateurs nationaux et internationaux. Il y avait les kits électoraux avant le temps. Il y avait même la sécurité. Il y avait la sécurité. À cette époque, je n'ai pas vu un candidat être tué comme mon frère a été tué ici récemment, Dogo Kalinda, de reste mémoire, que son âme repose en paix. Il était d'ailleurs l'un des braves du parti proche du pouvoir, à Defat. À Defat, voyez-vous. Donc, lorsqu'on est en train de tuer des candidats ou bien même des élus du peuple comme Cheribé Okende en pleine capitale, pensez aussi à ces paisibles citoyens qui n'ont ni immunité ni sécurité. Voilà, merci beaucoup pour cette comparaison, ce parallélisme entre le processus électoral de 2018 et celui-ci de 2023. Mais Georges, peut-être pour terminer, il y a beaucoup de rencontres qui sont en train d'être organisées pour choisir un candidat qui va représenter les camps de l'opposition en RDC. Et tantôt c'est Martin Fayoulou qui va représenter l'opposition, tantôt c'est Moïse Katumbi, tantôt c'est le docteur Denis Mukwege. Comment vous trouvez cela? Est-ce que vous ne voyez pas que si l'opposition partait en ordre dispersé, c'est vraiment un ballon d'or que vous donnez encore une fois à Félix Tshisekedi? J'ai dit tantôt que le mandat c'est un cadeau que le peuple donne à quelqu'un qui a travaillé. Et le deuxième mandat pour quelqu'un qui n'a pas travaillé, ça s'appelle forcing. Parce qu'il n'a pas droit d'un cadeau. Nous n'avons pas vu, moi personnellement, parce qu'il nous avait dit qu'il se sentira président lorsque la paix sera restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant 5 ans, moi, je n'ai pas vu la paix. Et on ne peut pas souhaiter aussi ça. Peut-être il l'avait dit aussi par populisme qu'il est prêt, ou bien il était prêt à mourir pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais il l'avait dit par populisme politique, on ne peut pas souhaiter la mort pour son compatriote. Mais il n'est pas aussi mort. Il n'est pas aussi mort parmi ses promesses. Quant à ce qui concerne la sécurité, là on a fini le développement de la province. Moi je n'ai pas vu même un kilomètre partant de projet de 100 jours jusqu'à son programme du gouvernement. Je n'ai pas vu même 1 kilomètre, à moins que je ne sois pas informé. 1 kilomètre asphalté au nord Kivu. Mais en ville de Goma, il y a Sokok qui a construit. Sokok, c'est une route. Les routes pavées partout. S'il vous plaît, ça sont des projets. Comme l'État a le principe de continuité de la gestion de la res publica, ce sont des projets financés dans d'autres mandats. Mais dans son mandat, dans son programme du gouvernement, je n'ai pas vu qu'on ne se voile pas la face. Ce sont des continuités, finalisation de projets lancés par d'autres prédécesseurs. Par le président Joseph Kabila de l'époque. Que ce soit Kabila ou quelqu'un d'autre, mais par les prédécesseurs, parce que l'État doit continuer à fonctionner, quels que soient les changements des gens, de ses animateurs. Et donc,
Moi, compatriote, je n'ai en tout cas évalué ces points-là. Je me réserve parce que je ne vois rien. Juste votre point de vue alors, par rapport à la candidature commune. De l'opposition. La candidature commune. C'est aussi une voie démocratique. C'est une voie démocratique. La fois passée, nous avions le dauphin de la majorité ou bien du régime au sein de l'opposition. Et il y a un deal entre le régime et l'opposition de l'époque. Une frange de l'opposition de l'époque. Et nous avons vu les deals, les fruits du deal. C'est ce que nous sommes en train d'évaluer aujourd'hui. On vous met quelque part pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de ses compatriotes. Choisissez-vous un entre vous deux qui sera notre candidat commun à l'intérêt du peuple congolais. Il n'y a pas de compromis. Mais tout le monde s'est réuni pour avoir un candidat commun, et c'est Fayulu qui sort candidat commun. Vous vous retirez, vous deux, qui avez la chance de vous désigner un pour l'intérêt de vous tous, qui a trahi les autres. C'est cette frange-là. Et cette fois-ci, il n'y a pas les dauphins du régime au sein de l'opposition actuelle. Donc, il n'y a que le peuple qui est incarné par ce cadre que nous appelons par aberration de termes les opposants. Mais ils sont les cadres de la République qui réfléchissent aux côtés du peuple, pour le peuple et à l'intérêt du peuple. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de pertinence de se choisir un candidat commun au sein de l'opposition. Bon. Ou carrément partir chacun dans son coin, lutter individuellement, cela peut amener le peuple à se choisir et à avoir des chances à faire passer un candidat président opposant. Mais d'abord, le peuple a sa candidature naturelle. Parmi ces gens qui sont en Afrique du Sud, il y a les candidats naturels du peuple. Et si les autres vont avoir cette sagesse d'écouter la voix du peuple et les attentes du peuple, mais les candidats de l'opposition restent Martin Fayulu. Je dis bien, Martin Fayulu incarne le peuple et il a le mandat naturel du peuple congolais. Et si ses copains vont choisir, vont comprendre cette sagesse, il n'y a pas de problème. Mais aussi ici, il faut dire que celui-ci est notre aîné et il a la sagesse et la bénédiction du peuple. On les met à côté et nous choisissons quelqu'un d'autre pour l'intérêt général. Moi, je ne trouve pas le problème. Je ne peux que souhaiter à celui qui sera désigné candidat commun bonne chance. Et je vais battre campagne à celui qui sortira de cette unité. Mais je ne crois pas qu'il y aura ce qu'on appelle division de l'opposition. Il y aura certainement un candidat commun du peuple qui va incarner les aspirations du peuple congolais. Un candidat commun du peuple, c'est ce candidat qui sera choisi parmi les 5 candidats de l'opposition. Effectivement, parmi les 5 cadres de la République. Parmi les 5 cadres de l'opposition. Oui. Voilà. Mais pourquoi vous insistez sur l'opposition? Là, on s'attend quand même. Non, c'est la candidature unique des cadres de l'opposition. Ils sont tous des cadres de la République, parce que je ne vois pas de l'autre côté des cadres qui réfléchissent pour l'intérêt de ce pays. Alors, Georges Mounir et Bingui, c'est vraiment un plaisir. Vous avez un petit mot à dire à la population congolaise et surtout ceux de la province du Nord-Kivu, là où vous vivez. Oh oui. En cette période supposée préélectorale ou bien électorale, que les Nord-Kivusiens et Nord-Kivusiennes se concentrent à la recherche de la paix et qu'ils ne soient pas trompés par des yeux doux, des ambitieux qui recherchent à s'enrichir et s'en aller. Nous devons penser République, nous devons penser Nord-Kivu, nous devons penser nos entités et à nos frères et sœurs qui souffrent parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu naturel.
Merci beaucoup à vous, Joss. Tu es un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission religieusement. Nous vous invitons à aimer, partager, surtout vous abonner massivement sur notre chaîne. Au revoir. Merci.